Eh bien, bonjour les amis et bienvenue sur Perle à Galère Gaming. On n'est pas sur du Subnautica, il faut que je change ça. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On va modifier ça en live. J'espère que vous avez passé une bonne matinée. On est bien sûr sur du Animal Crossing. On va balader puis farmer un petit peu et on va faire un petit peu de déco. Alors faites voir, on va se mettre comme ça. Je vais mettre le chat sur le côté. On va changer, modifier le truc du stream. Et puis je pense que ça devrait le faire. J'espère que tout va bien pour vous. On a balancé la cam, on est comme il faut. On va se mettre tranquillement. Et bonjour Apache, comment tu vas? T'es en forme? Alors fais voir, on va changer l'uptime. Alors on va mettre Animal Crossing. Tranquille. Qu'est-ce qu'il dit mon bon neveu? Comment tu vas? Salut frère la galère. Allez, on décore. Allez, on fait de la déco. On va mettre ça, on va faire ça. Bim. Eh ben écoute, ça va très très bien pour moi en tout cas. Ça va très très bien. J'ai passé une bonne matinée pour l'instant. Tout s'est bien passé. J'ai pas eu trop de problèmes. Donc du coup, on est plutôt bien. Alors attends, je vais changer l'intitulé quand même. On est parti mon kiki, normalement c'est bon. Eh bien j'ai fini mes devoirs et ma visioconférence, donc je vais chill. Alors ça c'est vachement bien, moi aussi c'est pareil tu vois. je me fais un petit live chill, tranquille. tranquille. Mais vous n'êtes pas dans la même maison tous les deux? Ôtez-moi d'un doute. Allez, en tout cas je tiens à remercier mais les derniers follow de la chaîne. On est à 159 aujourd'hui. On en a eu un pendant la nuit. On s'est fait un live hier sur du Subnautica et on a fait 5 follow sur le live. Donc j'en suis très content. En une semaine, on a fait un bond de 10 ou 12 follow. Donc merci à tous en tout cas. Hello mon master, comment tu vas? Alors le Subnautica à minuit, comment ça se passe? Ça va mon master? Ça va, ben oui, travaille bien, moi aussi je me mets le live en fond comme ça, et puis comme ça, je travaille. Non, mais je comprends. Eh ouais, mais Lionel, mais oui, mais vole-lui Valorant, bien sûr. Mais je suis pas sûr que ce soit des jeux faits pour nous, en fait. Il faut avoir des réflexes de ninja, tu sais bien. Et puis, mon neveu, il m'envoie un message hier soir, tard, tard. Et il me dit, dis-moi, tu devrais jouer à ça. Et donc, il m'envoie une photo avec le message Valorant, bêta fermée, bien sûr. Et donc, j'ai pas d'ordinateur pour faire ça. Sinon, crois-moi que je serais déjà allé faire un tour dessus et je vous aurais fait une démo dessus, en tout cas, si j'avais pu mettre la main dessus, bien sûr. Et coucou Lunson, comment tu vas? Bah, il va bien, Lolo. Hein. Il va très très bien, merci. Ah, ce soir, c'est du Zelda. Ce soir, on se fait un petit peu de Zelda Skyward Sword, bien sûr. Alors, en ce jeudi 7 mai 2020, il est actuellement 11h55 et on va aller vite voir le taux du des navets. C'est pour ça que j'ai lancé juste avant midi, en fait. Ah, ce soir, on a des étoiles filantes. Vous avez un peu de temps dans la soirée, sortez de chez vous et levez le nez. Bah écoute, on pourra pas le faire. Ou alors tard, parce que comme on va live sur justement du Zelda, ça va être un peu compliqué ce soir, mais bon... À moins que ce soir, ça veut dire à peu près vers 6h, et là, je suis d'accord. Mais sinon, ça va être compliqué. J'ai pas fait exprès, en fait, tu sais. Vraiment pas. J'ai vraiment pas fait exprès. Allez, vite, on court. Cours, Forest, cours. On va vite voir un petit peu le taux. Le taux du navet, et puis si jamais le taux est bon, on se dirige vite pour le revendre. Ah, tu m'étonnes. Shadow, c'est... Je pense que c'est... Waouh, Le violon, les gars. Lui, il va aller à la maison. Alors, bienvenue. Alors, qu'est-ce qui t'amène? Donne-moi le cours du navet. 111 clochettes.
c'est pas terrible. Je vous le cache pas, c'est pas terrible. 111 clochettes, on a acheté ça beaucoup plus cher, donc 111 clochettes, ça le fera pas. Du coup non. Bah zut alors, bon c'est pas grave. Sur un malentendu, ça aurait pu marcher. On va regarder cet après-midi, on regardera à quel taux il est bien sûr. Donc cet après-midi, c'est donc dans 3 minutes normalement. Regardez le nounours, il est magnifique. Patchwork comme ça, on va le prendre. Alors je vois que tu t'intéresses au violoncelle. Eh oui. Hein? Comment? 130 000 cloches. Combien? Allez, ça va. On se le prendra tout à l'heure. Une fois qu'on aura vendu un petit peu tout ça. Hier t'étais à 183 sur le tien, d'accord. Ouais, non, hier on était à 93. Ou 96, je crois, hier midi, souvenez-vous. Donc du coup, ou avant-hier. Parce que hier midi, on n'était pas ensemble. Ouais. C'est ça. Ah ouais, en fait, ouais, bah ouais, je comprends, Melio. Ah oui, c'est une véritable galère, ouais, bien sûr. Bien sûr, je vois ma femme dans la pharmacie, elle en a pas beaucoup à vendre, en fait. Elle en donne principalement au personnel soignant. Ça, on va le prendre, par contre, dès maintenant. Et puis après, c'est compliqué. Mais encore une fois, c'est comme tout. C'est comme quand, tu vois, à la télé, t'entends dire qu'ils vont fermer les raffineries de pétrole et que donc... Il va falloir prévoir, il va y avoir peut-être un petit manque d'essence. Et donc en fait les gens ils se ruent pour aller les acheter. Et il y a des gens qui vont chez Carrefour par exemple ou autre, hein, peu importe, et qui achètent des 50 masques. Mais en fait t'as pas besoin de 50 masques. Donc du coup tu prives d'autres. Genre, tu vois, si foncièrement tout le monde était discipliné, t'as 10 masques avec toi, t'en achètes déjà 10, et puis c'est bon, c'est la même chose que pourquoi y a-t-il une pénurie de farine ou de papier toilette, enfin c'est ridicule, c'est complètement ridicule, et du coup c'est juste du civisme en fait, enfin il me semble, je sais pas, j'ai du mal à comprendre les gens, moi l'égoïsme des gens, donc tu vois, pourquoi t'en achètes 50, à quoi ça sert? Bon enfin, c'est pas grave, donc du coup... Ouais mais ils sont, enfin c'est ridicule, enfin c'est complètement ridicule en fait. Bon c'est pas grave, on va ranger ça. On va regarder ici ce qu'on a à faire aujourd'hui pour choper un peu de miles. Donc il faut qu'on parle du monde, il faut qu'on arrose des fleurs, mais ça va être trop facile ça. Il faut faire des achats, parfait, il faut prendre des papillons, on adore ça, il faut changer, ben, on va aller changer direct. Je pense que ce serait bien, alors fais voir, qu'est-ce qu'on a sur nous par contre? D'accord. Ok, on a un cadeau qui est tombé là, qui a pop, qui a ADO bien sûr. Tapis bambou clair, ok, on va apprendre à faire ça. Ah, on connaît déjà, d'accord. Allô, allô, y a personne qui est venu? Oui, je regarde le courrier, bien sûr, je l'ai vu. Merci, je l'ai vu. Alors, oui, c'est toi qui l'as fait. Courrier, oui, non, j'avais vu, Master, t'inquiète pas, j'allais y aller. Hein. Un viking, ouais, c'est. Alors, ça se dit Valhalla. Parce que j'ai vu des youtubeurs qui avaient du mal à le dire. Ça se dit Valhalla. Voilà. C'est pas ça. C'est Valhalla. C'est le Valhalla. Tu vas au Valhalla. Je vous le souhaite en tout cas à tous d'avoir cette philosophie-là et d'aller au Valhalla le jour où... Ah, merci. Ah, merci. Alors, on a acheté quelque chose chez Rururama. Et en espérant que ce soit du vrai. Alors, c'est encore Master. Je trouve qu'avec deux, ce serait plus symétrique, pardon. J'en avais surtout un en trop. D'accord, ok, merci. Allez, on va regarder ça. J'aurais dû mettre aujourd'hui, on ouvre vos cadeaux. Alors, j'hésitais à te prendre une carte plus flashy, mais j'ai opté pour ces couleurs plus discrètes, Kappa. Bonne journée, Loïc. Ok, le président... de la République. Ah mais c'est trop beau, elle est trop belle la carte. Merci, merci à toi. Allez, on va regarder aussi Rururama ce qu'il nous a donné. On va mettre dans la popoche, enfin donner ce qu'on a acheté hier, hein, pendant qu'on n'était pas en live et que vous étiez pas là. Je suis désolé, je fais des choses hors live. Mais rien d'important, je fais pas de bulles, je fais rien du tout de tout ça. Et une petite adducite, ça me faisait longtemps. C'est gentil, merci. Je ferai de même alors. Je ferai de même. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que ça t'irait si je te mets dans mes hébergements réguliers de la chaîne ou pas, Lunson?
Je pense que tu vas me dire oui, mais je préfère te demander. Donc il se déclencherait en fait en automatique, ce serait partagé entre toi, mon petit doigt, et Lionel. Alors, décoration, place du marché. Ok, ah, c'est gentil, mais oui, pour plus de symétrie, je comprends mieux maintenant. Ouvrir. Panneau de travaux. Ah, sympa, merci. Je vais aller, on va aller le mettre là-haut de ce pas. Et un KADO. Et ça, c'est une toile célèbre. Alors, la toile célèbre, on va la mettre à l'intérieur. On va en profiter pour changer. Impossible que je la mette... Non, je la garde avec moi, en fait. On va pas la mettre... Non. Non, non, on n'y va pas. Non, je vous jure, on le fait pas. On va le mettre dans notre chambre. Ouais, ouais. Vous avez bien vu. Je le mets pas du tout, du tout au musée. Ça va pas la tête. Si t'as la chance d'avoir ça chez toi. Alors, on a notre écran plat comme ça. Tiens, j'ai vu comment on pouvait faire un glitch. Utiliser un glitch pour avoir beaucoup d'écrans plats et faire être riche à milliards. Du coup, on va passer par là. Et puis, je crois qu'on va mettre ça au mur. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi en fait elle me botte. Donc on va la laisser là et on va pas la mettre ailleurs. J'ai la chance d'avoir la Joconde à la maison, les gars. Elle part pas de là, elle bouge pas, elle bouge pas là, elle bougera pas d'ici la Joconde. On va prendre un petit peu de sous par contre. Ouais, on va prendre même les deux parce que ben on va s'acheter le violoncelle. Pour en plus il est blanc comme la harpe. Que je crois que c'était toi qui me l'avais donné, Master, il me semble. Donc du coup, on va... Ah, pas du tout. Je sais même pas qui c'est, en fait. Pour tout te dire, je suis désolé. Je m'excuse, hein, je suis un peu je suis un peu vieux comme garçon. Donc non, j'ai pas fait attention. Je sais pas du tout qui c'est et ce qui fait comme jeu ce bon monsieur. Allez, on va aller là. On va changer puisque on a besoin de le faire. Allez, puis on va aller mettre notre panneau là-bas au bout, au fait, aussi pour leur dire que nous sommes en travaux. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'avait pas avant, on n'avait pas une moustache. Sérieux, on n'avait pas une moustache. On avait des bacchantes. Où est-ce qu'elles sont passées mes bacchantes? Je les ai données? Non, quand même. Je sais pas où elles sont passées. C'est à usage unique, les bacchantes? T'es sérieux, là? Attends, on va regarder. Bah ouais, je sais pas pourquoi. J'ai plus mes moustaches. J'avais de tellement belles moustaches, je sais pas ce qu'elles sont devenues. Mais si c'est terrible, c'est terrible, la vie. Ah, mais c'est terrible. Ah, tiens, regarde. Tiens, si ça va être rigolo. On dirait une fifille. Alors attends, fais voir, on va changer les lunettes, on va mettre ça, c'est trop bon avec la barbe, c'est terrible. Non, on va mettre peut-être plutôt ça, ouais j'aime bien, on va faire ça aujourd'hui, et puis, oh mais si c'est horrible ça, combinaison psychédélique. On va changer de t-shirt, on va mettre celui-ci, et ah non tiens, mais c'est parfait, on va mettre ça, on est trop bien comme ça, allez, on dit ok. Oui, j'ai regardé ce que c'était les cadeaux, Master, et je t'en remercie. On va aller les poser de ce pas, pardon, excuse-moi. Ouais, il faut mettre le masque, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Alors, attends, je vais regarder quand même ce qu'on peut poser. Là, j'ai les lits tatami. On a pris... Ah ouais, j'ai acheté ça l'autre jour, le bloc à couteau, hier. Et j'ai acheté ça aussi, les bateaux de bouteilles. Là, je crois qu'on était ensemble, par contre, quand on les a achetés, mais c'est pas sûr. On a pris une cam, de surveillance, si vous voulez. S'il y a un inquiet chez vous, et ben vous pouvez mettre ça chez vous. Mais, ah ouais, attends, c'était ça. Hop, on va la placer dans la popoche. On va faire comme ceci, yes. Et je voudrais peut-être remettre ça là-haut. Attention, faut mettre le masque, c'est ça. Tu utilises pas le grille-pain? Je sais pas encore, Melio. Pourquoi donc? Tu veux que je te donne le grille-pain? Je veux bien te donner le grille-pain si tu veux, c'est pas un problème. Y a pas de souci. Oh, le grille-pain, il est là. Combien quoi? Tu les achètes samedi, mais je vous les file. Enfin, c'est ridicule. Mettez-vous d'accord, mais je vous les file. Qu'est-ce qu'elle est? Non, mais ça va pas la tête. On va mettre plutôt peut-être de ce côté, non? Ah, oula. Non, au moins on le voit là.
Fais voir. Est-ce qu'on peut... Alors, fais voir. Panneau de travaux, non. Bébé ours. Ah, bébé ours. Alors, ça va aller dans la chambre du petit, mince, j'ai pas fait attention. Un porte-kimono, voilà. On va placer ça. Ah, il est pas dans le bon sens. Alors, le Tson, il m'a donné l'astuce. Hop, comme ça. Non, là, je peux pas. Ah, zut. Fais voir, alors, du coup... Non. Tu fais de la bouse. Tu fais de la bouse, Loïc, tu fais de la bouse. On va faire comme ça, ce sera mieux. On fait pivoter. Clic, clic. Ah non, il se met que comme ça? Ah mais non. T'es sérieux là? Ah c'est moche. Ah les moches la vie comme ça. Ah peut-être c'est ça qui le gêne, fais voir. Est-ce que si je le mets là... Est-ce que je peux le mettre dans l'autre sens, le porte-kimono? Oui. D'accord, c'est cool, mais on peut pas cacher la télé quand même. Donc, fais voir. Hop, comme ça. Hop, on va faire pivoter. Voilà, parfait. Parfait, je pense que c'est bien. Je sais même pas dans quel sens ça va, mais c'est pas grave, on va dire que c'est nickel. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, Lonson. Oui, c'est vrai, tu as raison. Et puis comme ça, on le voit quand on grimpe. Il est du bon côté pour le voir. Mais c'est, en fait, c'est les navets qui nous gênent. On le lèvera la prochaine fois, c'est pas très très grave. C'est pas très très grave. Dis Père la galère, tu pourrais ranger ta chambre. Mais effectivement, effectivement, je comprends bien quel est ton problème. Je comprends bien. Allez, on va les balader maintenant. On va parler un petit peu à tout le monde. Hey, salut mon petit doigt, merci. Merci pour le resub. Lio va l'aider, c'est ça. Merci bien, merci, merci. Merci. Merci à toi, merci pour l'euro sub. J'ai commencé à être en PLS, j'avais plus de sub. Pas du tout, c'était pas du tout ça. Mais merci, merci beaucoup, merci. Merci par ces temps un peu compliqués. Merci pour les subs, les gars, merci pour les follow. En tout cas, c'est vraiment énorme. C'est vraiment, vraiment énorme. Ah ouais, attends, on va en profiter parce qu'il faut qu'on prenne des papillons. Et qu'on arrose aussi. Fais voir si on y arrive. Qu'est-ce qui me manque comme matin sur moi là? On a cassé quelque chose ou quoi? Non, regarde, on a... Ah oui, il nous manque la pépelle. Il nous manque une pépelle, par contre. Et qu'est-ce qu'il nous manque d'autre? On a le filet, on a ça, 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 on a ça. Ben, il nous manque juste une pépelle. D'accord. Mais pourquoi j'ai deux places? Je me souviens pas pourquoi j'ai deux places. On a deux places de libre. Quelle est cette bizarrerie? Je me souviens plus. Une hache, et puis il me manque quelque chose, mais je l'ai pas. je l'ai pas. Bon app. T'es en train de débloquer ta quatrième pièce. D'accord, ok. Je passe faire un coucou vite fait, je pars manger. Ben, un très très bon appétit. Et mais de rien. Mais merci à toi. Vite, appelle Scully et Mulder. Ouais, c'est ça. C'est, la vérité est ailleurs, mais je me souviens plus. Père la galère, il se souvient plus. Je sais pas, il manque quelque chose, mais voilà quoi. Qui me parle? Alors, fais voir un peu. Qu'est-ce que j'ai? Oui, on s'est changé, effectivement. Ça a mis un petit peu de temps. Allez, on va pouvoir l'acheter, la pistache, pour Melio. On va pouvoir lui acheter sa piscine à Melio. Ok. Allez, on va arroser quand même. Un petit peu par-ci, un petit peu par-là. On va aller mettre les panneaux. Gentiment offert par Master. Et voilà. Yop. Allez, on va passer comme ça. On va prendre un filet. Oh, loupé. Ah, il y a Monica là-bas. On va aller lui dire bonjour. Comme ça, au moins, c'est fait. Ok, tu as attrapé un macaron. Salut. Salut, Monica. Eh oh, lapin. Alors, kikou, toi. Ça te dit de faire la fête toute l'après-midi? Je suis content, c'est un peu moins compliqué le midi que du Subnautica, ça. On n'est pas glitché, tu sais, on n'est pas bloqué dans le décor, tu sais. Ah, ben entre frères, on s'entraide toujours, tu sais. C'est l'avantage d'avoir des frères. Ouais, on papote un petit peu, bien sûr. Ah, là, tu vois, c'est bon heure. C'est maintenant que je suis la plus efficace. Ah, ben viens faire le ménage à la maison, alors, du coup, Monica. Désolé, mais si t'es efficace, nous, ça nous va. Efficace, c'est pas cher. C'est Monica qu'on préfère. Allez, fais voir, on va débloquer le DAC. C'est ça, mais où est Chandler? Qu'est-ce que c'est culte, cette série? C'est incroyable, c'est vraiment une série qui est tellement culte, ça.
Ouais, c'est incroyable. Et ben pour l'instant non, en fait. On l'utilisera tout à l'heure, mais pour l'instant pas du tout. On va aller acheter le violon, hein, y a des priorités dans la vie. Donc on va acheter un violon. Eh ben, elle a de très bons goûts, ta soeur, en fait. mais c'est sûr. Attends, je l'avais pas vu. C'est sûr. Salut, Lion. Alors, Leandro. Ah, je te trouve enfin. La mystérieuse force qui nous tenait à l'écart s'est dissipée. Ou alors, c'est parce que je suis resté chez moi pendant des jours à regarder des films de kung-fu. C'est bon, ça. Peut-être. Peut-être que c'est pour ça aussi. Allez, on va leur demander. Attends, il y a un papillon. Hop, non. Jolie, l'esquive. Et non, l'esquive de papillon, vous la connaissez ou quoi? Allez, viens ici. Chandler sans février, c'est exactement ça. Tu sors, Lio, tu sors. Eh, hey, salut, Audi. Comment tu vas? T'es en forme? Ça fait plaisir de te voir. D'accord, Melio. Allez, on va voir maintenant le courant. Le cours du navet, s'il a progressé ou pas, s'il a augmenté ou pas. Et merci pour ton follow, Samouraï. Je sais pas pourquoi ça a pas bipé. Tiens, c'est bizarre. Mais en tout cas, merci pour ton follow. Il y a un bug. Il y a un bug dans la matrice. Alors merci et bienvenue chez les galériens. Bienvenue à toi. Je l'ai pas vu passer, donc du coup, mais même en notification de Wisebot, donc il doit être un peu fatigué Wisebot, je m'en excuse, mais merci pour toi, pour tout, et merci pour le follow, et bienvenue chez les galériens en tout cas, merci bien. Ouais, c'est rigolo, ouais, il est même pas comptabilisé sur la chaîne en fait, ouais. On verra, c'est pas grave. C'est pas un problème, mais en tout cas, merci d'être là, ça fait très très plaisir. Alors, achète-moi un truc. Yes, non, c'est pas ça. Oui, bon, c'est pas grave, on peut le faire. C'est pas un problème, on a bien d'autres trucs à lui vendre. Tiens, regarde, on va lui vendre ça, 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 ça et ça. Allez, on confie. Ah, attends. Là, là. Et ça, et normalement, faut ça fait, carnier. Normalement, on est bon là. Allez, c'est bon. Je compte. La pièce principale, 1, 2, 3. Ah voilà, il s'est réveillé. Ah non, c'est Lunson qui m'héberge. Merci pour ton hébergement, Lunson. Merci beaucoup. Moi, je suis à 1 million et des brouettes et j'ai le premier étage. Sinon, pour le reste, pour l'autre, je sais pas du tout en fait. Mais si, merci, mais merci beaucoup. Merci à toi, en tout cas. Quoi de neuf, Samouraï? Dis-moi tout. 38. D'accord. C'est un beau département ça. Ok, ben on les prend les 1000 clochettes, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Du côté de Grenoble, du coup, mon samouraï. Oh, samouraï, j'aime bien ce pseudo, c'est génial. On va le prendre ça. On va prendre le violon. On va pas le laisser passer. Alors, voilà, c'est bon. Il était à 130 000, je crois, il me semble, le violoncelle. Hein. Ta. 130 000, c'est ça. Bah écoutez, on va le prendre, hein. c'est pas un problème. Finalement, c'est plus un problème. Coucou Sonia, comment tu vas? En forme? Ça fait plaisir de te voir. Bienvenue, installe-toi tranquille et puis je m'occupe de tout, les gars. Ok, petit live entre midi et deux, vous êtes habitués maintenant. Dès que j'ai un peu le temps, je vous le fais. Et comme ça nous permet d'avancer un petit peu ensemble et puis de se faire du Animal Crossing un petit peu tous les jours puisque c'est la base et le but en fait de ce jeu. Ok, on a encore à parler à un petit peu de monde et je crois que Melio, je vais pouvoir t'acheter ta piscine par contre. Donc ça risque d'être pas mal. Alors le cours des navets s'il te plaît Melio. Tu, chapeau pointu. Attendez, je vais boire un coup quand même. 149 clochettes. Allez, on va aller les vendre. 149 clochettes, c'est ton dernier mot, Jean-Pierre. On est quoi? On est vendredi? Non, on est jeudi aujourd'hui.
Ah, peut-être demain ce sera mieux. Oui, Grenoble c'est cool, sauf quand on va au ski avec tout le monde. Ouais, c'est ça, ouais. C'est exactement ça. Toi 64, Lunson. Mais écoute, je vais vendre, je vais peut-être les vendre, comme ça c'est fait. En fait, on est, et du coup, on est bien. Tu voulais me demander autre chose? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Allez, on va aller, on va habiller, on va habiller notre chez nous avec avec les cadeaux de Master, bien sûr. Tu m'entends pas beaucoup, c'est vrai? Et pour vous autres, comment ça se passe? Non, non, le micro il est réglé comme d'habitude, Sonia, il me semble. Lio, qu'est-ce que ça dit pour toi le son? Personne du 69, c'est sûr. Non, le son est ok. Bah du coup, je sais pas, Sonia, essaye de refresh peut-être la page. Mais si pour les autres c'est bon. Non, Ledson aussi c'est nickel. D'accord. Vive le Gard. Ouais. Ou pas. Ou pas, Ledson. Ouais, je suis d'accord. C'est un bel endroit, le Gard aussi. Ok, c'est ok, Apache. C'est pas mieux. D'accord. Bah, je sais pas du coup. Je sais pas, je sais pas. Parce que si tout le monde est ok, ça va être compliqué. Non, non, mais il n'y a pas de problème. Non, non, il n'y a pas de problème, Sonia. Faut pas s'excuser. C'est juste que je peux. Attends, tiens, on va aller dire bonjour à Croix-Croix, V-Bâton. Allez, pas bien. Salut. Alors, tout va comme tu veux? Allez, si on discutait. Alors, j'aime bien les promenades, moi, comme ça, mes pieds s'ennuient pas. Tu m'étonnes. Celui-là, il est beau, j'aime bien. Allez, on va le prendre. On a validé encore un truc. Ah, attention, la mauvaise herbe, surtout pas garder de la mauvaise herbe. Allez, on va aller vendre nos clochettes. Les toquets du tic-tac ont la tactique. Bon, ok, je sors. Ouais, c'est ça. C'est ça, Lio, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu peux sortir, c'est vrai, c'est vrai. On allait chercher. Alors, où est-ce qu'on les a mis? Je me souviens plus. Est-ce qu'on les a mis dans la chambre là? Peut-être. Peut-être dans celle-là. Il y en a ici et puis il y en a en haut aussi, il me semble. Hey, tu crois qu'il fait un AVC? Non, c'est parce que tu le connais pas bien. Mais en fait, non, non, il est. Excuse-le, il est comme d'habitude. T'inquiète pas, il est. Non, non, il est juste comme d'habitude. Hein. Faut pas faire attention, les gars. Vous en faites pas. C'est un tango, il est toujours comme ça. Ah non, zut! Mais zut flûte. Ah bah du coup, on n'a plus beaucoup de place. Il est où le lit? Violoncelle, non. Hop. L'échelle, non plus. Bébé ours, décoration bon marché. Du marché, pardon. Lit, là. Allez, on va le replacer. Je suis un peu fatigué aujourd'hui, je vous avouerai. Mettez sérieux de le placer comme ça, le plumard. Mais sans déconner, tu te moques. Tu te moques, Jean-José, hein, je te le dis, moi. Hop. Voilà. Comme ça. Bim. Allez, fais voir. On va placer le nounours sur le lit, bien sûr. Parce qu'il sera tellement beau sur le lit, si on peut, en tout cas. Ce serait vraiment bien. Alors, normalement, il est par là, non? Bébé ours. Allez, ici. Placé. Oh, mais non, tu le veux pas. Il veut pas. Mais zut. Attends, on va le mettre par terre et puis on va voir si on peut le placer. Bim, fais voir, placé par terre. On va le prendre comme ça. Et on va essayer. Mais je pense que quand même, il pourrait faire un effort. Non, il veut pas du tout. Ah zut. Eh ben écoute, on va le placer là, c'est pas grave. Hop. Je pense que c'est bien comme ça. Elle est pas mal cette chambre, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Range ta chambre tout de suite. Et tu utilises pas. Et tu utilises pas les majuscules, hein, s'il te plaît, hein, Lio. Ouais, j'en ai quelques-uns, effectivement, ouais, de navets, Sonia. Si t'en veux, je t'en garde deux ou trois de mettre de côté pour que tu te fasses une bonne petite poêlée. En vrai, les navets, j'adore ça. Dans la vraie vie, ça coûte pas cher. Donc, mais même si ça coûtait cher, c'est un truc de malade, quoi. J'adore ça. Enfin, c'est un radis, quoi. C'est du radis, le navet, tout simplement. Mais qu'est-ce que c'est bon. Allez, fais-moi, on va ranger tout ça. Hop.
Et du coup, du navet, bah, j'en avais. Elle est pas bonne, mais il fallait que je la fasse. Je suis désolé, je m'excuse. Je sors. Allez, c'est bon, je sors. Elle est très très mauvaise. Mais c'était obligé. Hein. Je m'excuse. Vraiment, je vous fais toutes mes excuses. Il est 12h22. Je suis debout depuis 6h du matin. J'ai attaqué à 6h30 sur mes piscines. Donc ouais, je m'excuse. Hein. Je m'excuse. Ça ira mieux ce soir. C'est de la famille, c'est ça, ouais. C'est ça. Ah, une bonne nappe croûte, qu'est-ce que c'est bon. C'est vrai que c'est très bon, une bonne nappe croûte. Alors, une nappe croûte, c'est une choucroute, mais avec des navets. Et c'est très bon. Vraiment. Enfin, faut aimer le navet, c'est toujours pareil. Mais alors, il y a bien que les filles. Allô, il y a personne au bout du fil. Je sais que tu l'as pas encore. Je suis vraiment désolé pour toi. Est-ce que je peux te sponsoriser pour que tu te l'achètes? Je veux bien, moi. Hein. Après, hein, moi, je suis de bonne aloi. Hein. Si j'avais les moyens, je vous achète. À toi et à. Et à ah, merci, Lutson. Oh, mais il pense à tout. Lutson, tu penses à tout. Si j'avais les moyens, je vous ferais gagner à toi et à Sonia un truc carrément, mais vraiment. Un tirage au sort vraiment pas truqué où je vous ferai gagner à toi et à chaton une Switch, tu vois, mais pas truqué, hein. Mais ça tomberait sur vous, zut. moi, si je pouvais vraiment, dès qu'on pourra, de toute façon, ce que j'essaierai de faire, un de ces quatre, hein, dès que la chaîne commencera à être un peu lucrative, un tout petit peu, hein. Je ferai un truc comme ça, parce que on va le laisser là, c'est pas grave. Mais on va lever les navets qui sont ici. On pourrait se faire vraiment un truc dans ce goût-là, tu vois, où je vous fais gagner quelque chose. Alors pas une clé, parce que pas toujours. Les gens, ils ont pas toujours en fait quelque chose, enfin un ordinateur. Tu vois, des clés de stream, c'est très bien, ça permet aux gens d'avoir des cadeaux. Mais le problème, c'est que bah, pas tout le monde a un ordi, quoi. Et moi, le premier. Donc ouais, ça me ferait plaisir de vous faire gagner des jeux, en fait, tout simplement, soit des jeux, soit une console un jour, si un jour il y a du monde et qu'on gagne un petit peu de sous, ouais ça redistribuera volontiers, parce que en fait moi je suis plutôt communiste dans l'âme, les gars. Donc j'aime bien le partage. Est-ce que si on le met là, ça, non, ça gâche pas, ça gâche pas du tout. Et le violon, par contre, on puisque, alors vous allez dire que je suis complètement, enfin je suis un peu. Voilà, on va le mettre comme ça. Et en fait, je le mets ici parce que là, c'est blanc. Ça, c'est blanc. Et ça, c'est blanc. Le bureau, tu vas me dire, mais alors, pourquoi tu n'as pas mis le bureau de l'autre côté? Parce qu'il n'y a pas la place. Tu te calmes. C'est tout. Mais du coup, ouais. Une clé pour aller chez toi? Non, tu sais, des clés avec des jeux dessus, quoi. Un code, en fait, pour avoir en cadeau un jeu, tout simplement. En passant par Steam ou GOG ou ce que vous voulez, quoi. Et j'ai bien dit GOG pour les mal pensants s'abstenir, d'accord. Ok, je sors, allez, c'est bon, je m'en vais. Mais non, du coup, je trouverais ça tellement cool de pouvoir faire ça. Et comme je suis vraiment, mais pour le coup, je suis vraiment communiste dans l'âme, en fait. Je suis pour le partage, moi. Et donc, du coup, ouais, je reverserai, ouais, bien sûr. Bien sûr, je ferai en sorte que vous profitiez de tout ça véritablement. Alors, attends, on va valider, déjà fini de parler un petit peu. Tu te calmes, Loïc, arrête de parler. On va valider ça. Il nous reste encore quelques papillons à prendre. Voilà. Comme ceci. Hop. Papillons ou insectes divers. Hein. On va venir ici. Du coup, regarde, on va faire ça. Pour être. Alors attends, tiens. On va regarder quand même de ce côté-là. Donc là, il y a un arbre, on est d'accord. Là, il va falloir reciper un petit peu tout ça. Alors, on va être obligé de re-rentrer, aller acheter quelque chose, parce que j'ai pas envie de la fabriquer, en fait, tout simplement. Je suis un peu feignasse sur le coup, mais je crois qu'on en a même une chez nous. Hein, je pourrais. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, je veux voir quel design elles ont. Et on va s'acheter une hache, tout simplement. Et c'est peut-être une canne à pêche que j'ai. Une pelle, on en avait acheté. Fais voir. Ah, celle-là, elle est magnifique, le filet coloré. Qui veut un filet coloré comme ça? Je vous le prends et puis je vous l'enverrai. Est-ce que ça dit à quelqu'un ou quoi? Allez, fais voir. J'en achète deux, on sait jamais, sur un malentendu, si ça vous plaît.
les gars. Allez. Non, c'est bien. C'est bien. Ah, attends, on va regarder quand même les murs. Ouais, c'est pas super, hein. Ça, à la limite, parquet cube, ça, à la limite, c'est plutôt sympa. Tiens, ça, ça on dirait un vieux jeu de... on dirait Pong. Ça me fait penser à Pong, ça. Ah, t'as le même filet. Bah, désolé. Voilà. Ok. Allez, fais voir. Il y a eu une surintensité, là, de, sur le jeu, d'un coup. Je regarde sur les retours, si vous l'avez vu ou pas. En fermant la vitre, ça fait clic. Non, pas du tout. Vous l'avez pas eu, vous. C'est rigolo. Allez, viens. Viens, Poupoule. On va reciper un petit peu tout ça, parce que tu comprends, là, il y en a trop. Hop, hop, hop. Alors, par contre, 200 filets, ça va pas le faire. Allez, on va passer comme ça. Non, pas là. Et putain, punaise, pour une fois. Mais pourquoi j'ai pas acheté de hache? J'ai pas acheté de hache, les gars. Mais n'importe quoi. Oh là là, mais j'y suis pas aujourd'hui. Vraiment, j'y suis pas. On y retourne. On va vendre nos navets, puis on va aller acheter une hache. Parce que du coup, là, je peux plus. On a acheté que des filets, nous. Lio, je crois qu'il a pas vu ton cadeau. Ah non, ouais, non, je l'avais pas vu en fait, ouais. Attendez, je vais le faire alors du coup. Excuse-moi, Lio, j'avais pas fait gaffe. Donc, la manette à l'envers. et puis on y va. Ah, je vais vous rajouter une commande. Si j'ai le temps, je vous rajouterai une commande, les gars. J'y ai pensé, il faut que je fasse des recherches. Mais je vais vous rajouter une commande un petit peu sympa. Achète-moi des trucs, ouais, on va tout lui vendre. Alors, bim. Donc, du coup, ouais, on a 200 filets en fait. Allez, on va valider ça, ça, ça. C'est quand même, même ça, c'est difficile en fait à l'envers. Vraiment. Non. Voilà. Là en haut, là on redescend, on va sur le côté, bim, bim. Et il faut quand même qu'on coupe l'arbre hein, pour mettre ça comme il faut. Et bim, allez, on valide, voilà, le plus est ici. Excusez-moi, il faut que je regarde là par contre, hein. J'ai pas le choix. Allez, combien tu nous donnes? Eh ben 283 000 clochettes, eh ben écoute, on va les prendre, un marché conclu. On n'est pas comme ça, on n'est pas bégueule, non. Ça va le faire. Allez, merci. Donc du coup, on va on va aller de l'autre côté, dans l'autre sens. Hop. Voilà. Là, jusque là, ça va. On y arrive. Je te rembourse deux violons. Ah oui, oui, ça me rembourse deux violons. Pardon, excuse-moi. J'avais mal lu. Elle est où, la hache? Elle est là. Les haches, c'est dommage parce qu'il est, il les décore pas. Ah, super. Les haches, il, ouais, il les décore pas. Allez, on achète. Voilà, ça va, ça ira mieux. Bim. Non, merci. On est bien. Et bien, de rien, ça fait plaisir. Le tout, le plaisir est partagé. Hein. Petite, petit wapan wapan. Hop. Allez, on est parti. Allez. Yes, yes papa. Alors, on va couper un petit peu des arbres là, parce que de toute façon il y en a trop. Vraiment. Là on a déjà un oranger. Alors, moi, je couperai celui-ci. Alors on va passer comme ça du coup. Je couperai celui-ci, je pense. On va l'ajouter au en favori. Hop, on va le mettre là. Ouais, je pense qu'on peut faire ça. Allez. Et remonte petit doigt. Merci encore hein, pour ton sub. On va enlever un petit peu tout ça là, parce que là il y a trop d'arbres en fait. Et on peut laisser la souche, on laisse une souche comme ça. Parce que d'une part j'aime bien. Et de deux j'aime bien. Et de trois, eh ben j'aime bien. Non en fait c'est tellement, tellement sympa. Alors lequel on garde? On va lever celui-ci, hein. Tant pis. Hein. Voilà. On va. Vous inquiétez pas, on va lever ça avec la pelle, bien sûr.
Et donc aujourd'hui, pour tout vous dire, c'était c'est une pelle, voilà, c'est la pelle qui nous manque, mais bien sûr les gars, c'est une pelle qui nous manque. Je crois que j'en ai une à la maison. Attends, on va chercher la pelle. On va chercher une pelle, ce sera mieux. Mais c'est bien ça, c'était ça qui nous manquait finalement, on s'en souvenait plus. Je dois en avoir une à la maison en fait. Donc on va voir un petit peu ça. Mais normalement, si je ne m'abuse, du coup dans quel... voilà, ah ouais, je me suis acheté deux cannes à pêche. Alors celle-là, la canne à pêche rando, celle-ci, elle est magnifique. Après j'en ai acheté une comme ça, une canne à pêche poisson. On a la canne à pêche canard sur nous. Et j'ai acheté la pelle rando comme ça aussi, elle est sympa. J'ai trouvé en tout cas qu'elle était sympa. On va passer par là par contre, on va... Fais voir, parce que tout filet coloré, on n'en a pas besoin de 250 en fait. On va entreposer celui... Ouais, on va entreposer celui-ci aussi. Et merci. Alors, merci pour ton follow, Suntabulant. Merci beaucoup, merci à toi. Et bienvenue, bienvenue chez les galériens en tout cas. Merci bien, merci beaucoup. Alors, décoration place du marché. Voilà, on va les placer ça. Ça, on va l'entreposer. On va entreposer ça puisque de toute façon, on n'en a pas besoin. Bim, bim. Et ce soir, on se retrouve à 20h, les gars, n'oubliez pas, sur du Zelda. Qu'est-ce qu'il fait, Lio? C'est l'appel de la forêt. Oh, Lio. Quand même. Mais quand même. Merci, Lio. Ah, merci, Lenson. Merci à toi. Lenson, il s'occupe de mon hydratation, en fait. C'est ce que j'aime chez lui. En tout cas, c'est vraiment sympa. Merci. Hein. Et donc, encore merci à toi, Sonde Tabulant 1972. Alors allez, on va lever ça. Mais en fait j'ai vu que tu t'étais abonné hier soir. C'est pour ça que je comprends pas que je les reçoive que maintenant. En début de live tu t'étais affiché aussi. Décidément. C'est un peu bizarre les. Et puis Wisebot qui apparaît pas aujourd'hui, je sais pas, il est cassé, je sais pas ce qu'il a. Donc on va voir, je regarderai ça tout à l'heure. C'est quand même pas normal qu'on ait pas les notifications. Pourtant on a eu la notification de ton host, Lenson, donc je sais pas. Alors attends, fais voir. Notif, Wisebot, ok. Alerte Tipeee Stream. Ouais, non, pourtant elle y est, l'alerte Tipeee Stream. Donc je pense que en fait, c'est... soit vos comptes sont pas visibles, les gars. Ce qui est possible, des fois. Des fois, les comptes sont pas visibles, donc ils apparaissent pas. Ils sont en privé, donc ils apparaissent pas ici, même si le nom apparaît. Ça peut arriver. En tout cas, bienvenue à tous. Allez, on va prendre l'appel comme ça. Ouais, je suis passé par là parce que des fois vous le valez bien les gars. Et puis on va se mettre comme ça. Allez, on va déterrer ça. Voilà, celui-ci aussi. Ok, ça c'est bon. Attendez, je me remets le chat comme il faut parce que comme j'ai bidouillé, je vous ai plus sur le côté. Ah, c'est bien mieux. Ouais. Ah. Autant pour moi, c'est bien mieux sans les arbres au milieu quand même. On a une vision qui est beaucoup plus claire en fait. C'est sympa les arbres, mais il y a des fois ça bouchonne un peu. Et du coup on en a un là. Moi j'ai bien envie de le dégonder celui-là aussi. Hein. Désolé hein, mais on va. Je suis pas pour la déforestation. On en replantera d'autres pour compenser. Mais on va compenser notre. Notre impact carbone bien sûr, mais du coup ouais, on les remplacera un peu plus loin. Qu'est-ce qui cloche? Ben en fait ce qui cloche c'est Wisebot, j'ai l'impression. Il me donne pas les notifs des follow, il me semble en tout cas. Alors fais voir. Du coup ce qu'on va faire, on va lever là, parce que ce qui nous gênait en fait de prime abord c'était... Voilà, on va rapprocher ça de là. Voilà, on est bien. Ce qui nous gênait
à la base, c'était les arbres, mais là ils nous gênent plus. Donc du coup là, Père Dodu, tu nous gênes plus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le deuxième. Et merci Master encore. Merci à toi. Alors décoration place du marché, c'est celle-ci. Placée. Elle est bien sûr pas dans le bon sens. Mais bien sûr, j'ai fait ça. Donc c'est pas grave, on va se la placer dans l'autre sens. Bougez pas les gars. Sur un malentendu, ça peut fonctionner. Ok, allez, nickel. Voilà. Alors bien sûr, il va falloir décaler tout ça. On va la pousser contre. Voilà. Et comme ceci. Et je pense que là c'est bon. Voilà, ça, ça me plaît bien comme ça. Comme ça, ça me plaît vraiment bien quoi. Vraiment, là c'est bon. Bim. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est exactement ça, ouais. J'ai eu le notif d'hébergement par contre de Tipeee, donc tu vois, c'est ça qui fait que... mais bon, je le réactionnerai dans la journée pour voir si jamais on n'a pas perdu de trucs, c'est tout. On va le réveiller, t'as raison, ça fait longtemps qu'on s'est pas connecté à lui, donc il est peut-être pas joisse, il est peut-être jaloux. Il se dit tiens, tu vas beaucoup trop sur Wisebot, ça commence à faire beaucoup, donc arrête d'aller sur Wisebot et essaye de t'occuper un petit peu de moi. Donc ce que je peux comprendre, hein, il se sent délaissé, Tipeee Stream, hein, tout à fait, je peux comprendre. Mais je raconte n'importe quoi. Je sais pas comment vous faites pour me supporter les gars des fois. oh, super, on en a un autre, regardez, pas bête, mais c'est ce que je me dis tout le temps, que je suis pas bête. J'avais une copine comme ça, elle s'appelait Babette. Je l'appelais pas bête. Elle adorait. Il était périmé, mais ouais, mais c'est ça. C'est ça, c'est ça. Périmé ou déprimé, voilà, parce que c'est pas la même chose. Et là, on va grimper, on va mettre le cadeau. Puisqu'on fait nos travaux ici, il va falloir bien sûr qu'on enlève des arbres ici aussi. Pour lui faire une maison digne de ce nom à celui-là. Mais en attendant... On va se mettre notre petit panneau ici. Attention les gars, attention travaux. Un travail des travaux. Alors, on va se mettre comme Lutson, il aime bien. Attends, non, tu peux pas le chat. Fais voir. Lutson, il aime bien. Il m'a dit, tu sais, tu peux le déplacer, le tourner. Si, oui, enfin si tu fais un effort. Voilà, c'est si je fais un effort en fait, c'est ça le truc. Et voilà, on a des travaux. Merci, hein, merci encore mon master, merci beaucoup. Je sais que tu parles pas et que tu travailles, donc courage à toi en tout cas. Et merci beaucoup. L'habitude depuis 42 ans. 43 tu veux dire? Non, parce que non, parce que en fait t'as pas 42 ans Lionel, hein. Je te rappelle qu'on est jumeaux, on a le même âge, donc tu peux pas avoir 42 ans. Hein? D'accord, on va sur nos 44 en fait. Non mais juste pour que tu y ailles quoi. Et moi 23 ans que tu supportes ton frère et ta soeur. Ah, ça arrive. C'est comme ça, écoute. C'est comme ça les gars. On a tous notre... Ah mais non. Allez, bah écoute, on va récolter ça. Et puis, bon, on va commencer, on va continuer à faire notre endroit zen. Alors, on va voir un petit peu comment on fait. Je vous avais posé la question l'autre jour de savoir, est-ce qu'on planterait que des fleurs là, ou est-ce qu'on se ferait aussi encore du cours d'eau? Je suis pas très chaud pour le cours d'eau, je pense qu'au niveau cours d'eau, on est bien là. Et que peut-être on devrait tout simplement juste y mettre des fleurs sur le côté pour égayer un petit peu tout ça. Ce que j'aimerais faire aussi, c'est comme on se fait un jardin zen et un endroit un peu zen ici, j'aimerais planter, je sais pas si vous êtes d'accord, mais je pense que vous allez me dire oui et comprendre, à chaque angle, donc enlever bien sûr le terrain sablonneux, peut-être, si jamais ça passe pas, et donc à chaque angle on y mettrait des cerisiers. Tu vois, ce serait pas mal des cerisiers, donc un angle, deux angles, et bien sûr là il y a encore un angle, alors trois angles, là, et eh ben oui, mais quatre, alors du coup, tu vois, on enlèverait les cèdres en fait, et on mettrait des oliviers de partout, on garderait cet aspect sablonneux sur la totalité, mais on viendrait planter quelques petits arbrisseaux de cerisiers, vu qu'on a des cerisiers sur la truc, ce serait pas mal. Mais la rampe au-dessus de la source, ça partira à droite et à gauche. D'accord. Eh bien, tu sais ce qu'on fera? On le fera, mais on le fera peut-être plus par... Non.
Parce qu'en fait, ce que tu me dis, c'est très très bien et très gentil, mais en fait, si on le met là, il faut que je déplace tout ce qu'il y a en bas. Ah tiens, il nous faut encore mettre les... ouais, finir ici, puisqu'on avait déplacé aussi. Et tu vois, je voudrais pas avoir à lever ça, je trouve qu'il est bien le truc par là, là. Allez, on va se mettre ça. On va prendre le remodile et puis on va continuer un petit peu à modeler tout ça là. Alors, permis de construire en cours, ok. Et avant la fin de la session, donc c'est-à-dire bientôt, parce que finalement, punaise, mais ça va vite, mais ça va tellement vite. Juste avant la fin de notre petite session, on va aller acheter la piscine et je l'enverrai à Amelio. Et comme ça, peut-être samedi, puisque samedi, n'oubliez pas, on visite vos îles samedi matin, enfin si ça veut. Sinon, on fera de la déco. Mais du coup, ça nous permettra d'aller voir si jamais il est OK, ce qu'on lui a acheté. Voilà, hop, comme ça, hop. Non, c'était pas ce que je te demandais. Allez, il va l'effacer complètement, mais c'est pas grave. Ma fille s'est endormie dans sa chaise. Pendant qu'elle mangeait, la pauvre. Elle fait des belles vocalises, en tout cas. C'est tellement, tellement beau. C'est tellement beau chez les autres, les enfants, les gars. Je vous le dis, moi. Je vous le dis, en toute connaissance de cause, les enfants, c'est tellement beau chez les autres. Vous savez pas, vous. Moi, je vous le dis. Ça, on le lèvera après. Est-ce que je peux faire ça? Non, pardon. Et puis, elle fait des vocalises. Ouais, ouais, quand... N'hésitez pas à passer chez le Son quand il fait des lives, parce qu'il y a toujours sa petite derrière en fond, et des fois elle fait des vocalises et c'est tellement choubidou à la crème. Non, tu veux pas. Non, c'était pas du tout ce que tu voulais faire, Loïc, en fait. Tu comprends bien que c'était pas ce que tu voulais faire. On va lever les arbres. Alors, ceux qui sont à l'intérieur, en tout cas pour l'instant, on va les lever. Les fleurs, je les laisse où elles sont parce que j'aime bien. Et on se les lèvera plus tard. Voilà. Hop. Voilà. Yop. On va nettoyer tout ça. Parce que faut pas déconner, quoi. Ah, pardon. Des fois, je gaguette un peu. Les fleurs, on les mettra plus de l'autre côté, hein, mais bon. Ah, zut, j'ai fait ça. J'ai fait la bêtise. Ça m'arrive souvent. Hop, regarde. Bim, on fait comme ça. Tu viens ici, tu te mets là et tu dis planter. Le planter de bâton, monsieur Duss, le planter de bâton. Ah oui, ça on peut pas, c'est vrai. C'est pas celui-là, c'est l'autre. Voilà, allez, planter. Alors du coup, en fait, la rampe, tu la verrais bien à côté de l'angle à droite de ton chemin. D'accord, je regarderai ça. Ah oui, 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 je comprends. Je vois où tu veux la mettre, tu as raison. On pourrait faire un petit peu de remodil. C'est là que tu voudrais la mettre, c'est ça? Et ce qui serait, juste là. Ce qui serait complètement logique. C'est ça? C'est là que tu voudrais la mettre. Donc on ferait, ouais, mais là on a élargi un peu trop. À moins qu'on la mette là. Qu'on la fasse par là, là. Juste en face du pont. Ah, en face du pont, ce serait sympa. Ah non, toi tu dis parfait de ce côté-là. Ouais, mais de ce côté-là, c'est pas si parfait que ça, si. Parce que ça me fait retaper toute l'île. Ça me fait retaper tout ça, mais ça va vraiment me peut-être un peu trop renfoncer. En face du pont, ce serait pas mal non plus. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, tu as raison. Avec beaucoup d'exactitude, tu as raison, en fait. Allez, on va se mettre là. Ouais, ça se réfléchit, mais je pense que égale perfection. Ah, c'est ton deuxième prénom, ça, perfection. J'ai vu sur tes lives que c'était ça. Donc chemin sablonneux, on reprend ça. Ma femme, elle nous a fait une quiche pour manger ce midi là. Elle a fait la pâte elle. mais c'était incroyable. J'aurais dû mettre blabla aussi, parce qu'en fait ça va sans dire que le midi, quand on live là-dessus, en fait on parle de choses et d'autres. Donc du coup je m'excuse pour ceux qui sont pas habitués, puis pour les autres, ben, bienvenue. Là il va falloir qu'on remodèle, tu vois. Clairement, parce qu'on n'arrivera pas à faire quelque chose de si propre. Parce que tu vois, ça va m'énerver, moi, que ça finisse comme ça, là.
tu vois, c'est vraiment, vous voyez, parce que je vais vous voyez, vous êtes plusieurs. Je, c'est vraiment le truc qui me gêne le plus dans ce jeu, c'est ça. Au niveau du remodile, je sais pas, je suis quand même pas un spécialiste du de la programmation, mais il me semble que quand même, on va sur la lune, il y a des jeux qui se font et qui se font tous les jours, et que quand même ils auraient pu penser à ce que des chemins, même de différentes factures, s'accordent et se joignent en fait. Donc ça, je le dis à chaque live, mais là sérieusement, tu peux pas me laisser ça comme ça, quoi. Tu peux pas venir venir tout bonnement carrément là, quoi. Enfin, je sais pas, moi. des fois j'ai du mal à les comprendre, tu vois. Ça voudra pas, quoi. Tu vas faire c'est ridicule en fait, c'est complètement ridicule. Donc il va falloir tricher pour faire quelque chose de beau et propre, et là où tu pouvais gagner de la place, en fait tu vas en perdre. Et je trouve ça un peu dommage en fait. Ah ouais, non, mais on fait souvent ça de toute façon, Lio, quand tu m'envoies. J'ai bien aimé dimanche dernier ou le week-end dernier où tu m'envoies une photo de pizza et je te renvoie la photo de la pizza que je venais de faire, qu'on venait de faire, quoi. Donc on n'est pas jumeaux pour rien, quoi. On n'est pas jumeaux pour rien. Et parce que pour ceux qui savaient pas, on est jumeaux avec Frère La Galère. Donc c'est pour ça qu'on a le même âge. C'est pour ça qu'on a le même âge. Je suis désolé, j'ai le rhume des foins qui commence à réarriver. Dans 2 secondes 50, si je mets ma tête au soleil, normalement j'éternue. Donc, non, tu vois, c'est joli, mais c'est vraiment dommage, quoi. Donc, je sais pas comment faire. On va essayer de faire quelque chose d'un peu plus droit, là. Alors, fais voir. Non, c'est pas ici, bien sûr. Hop, on va sortir de là. On va faire ça. On va remodeler ça. S'il t'y plie, et est-ce que si on fait ça on y arrive? Ouais, ça fait droit, on sera obligé de faire ça du coup, mais c'est pas très gênant, mais voilà, on est bien. Alors là, bah lui il va partir, hein. On va le lever, bim, un petit coup de hache, vous allez voir, ça va être vite fait. Ah oui, les jumeaux ils ont le même âge, ouais, ouais, ça arrive, hein. Normalement c'est la règle, hein. normalement c'est ça, c'est la règle en fait. Fais voir. Allez, on va lever tout ça là parce que de toute façon ils nous ennuient, ils sont au milieu et on en a pas besoin. C'est pareil, il faudra replanter quelque part, hein, pour prendre soin de la planète, les gars. Mais de toute façon on va replanter, puisqu'on va replanter des cerisiers ici, des cerisiers, des fleurs, on va en planter un peu de partout, vous en faites pas, les gars. Là du coup on va enlever la fleur qu'il y a là, puisque on va faire une fontaine et on continuera tout ça tranquille. Hop, voilà, on va lever ça. Je me doute que c'est du sarcasme en fait, mais j'ai fait exprès de pas lire la suite, de laisser un petit temps de latence, tu sais. Mais souvent, des fois, il y a des gens qui me disent, mais ton frère, il a quel âge? Mais j'ai dit, ben, on est jumeaux. Ouais, d'accord, mais il a quel âge en vrai? C'était pas... Eh oui. Et donc là, tu lui dis, mais t'es sérieux? ça arrive souvent. Allez. Le plus embêtant, c'est les gens qui te disent bonjour dans la rue que tu connais pas, quoi. Parce que forcément on connaît pas les mêmes personnes puisqu'on fait pas le même boulot. Donc c'est le plus embêtant. Alors Sonia, je le qualifierais pas comme ça en fait. Ce qui est sûr, c'est que pour le coup des pizzas par exemple, où je vais faire des pizzas et sans téléphoner à mon frère, et lui fait la même chose, où on se retrouve dans le même restaurant, tu vois, des fois ça peut arriver aussi, mais je suis pas sûr que ce soit quelque chose d'aussi de ce que pensent vraiment les gens en fait. En fait, c'est comme t'as été. Moi, je prends ça plus comme t'as été élevé. Enfin, t'as le même âge, t'as été élevé en même temps, t'as fait les choses en même temps, t'as toujours été avec. Donc, forcément, c'est plus. C'est plus des choses que tu es habitué à faire et que. Enfin, t'es. Ouais, tu penses la même chose parce que t'es pareil en fait, tu vois.
C'est pas spécialement de la prémonition ou des trucs comme ça, ou s'il se tape sur les mains par exemple, j'ai pas mal aux doigts. Tu vois, s'il se met un coup de marteau, ça me fait pas mal en fait, c'est ça le truc. Donc je sais pas quoi te dire. C'est vrai qu'il y a, il y a quelque chose, mais après, c'est pas non plus... c'est pas de la magie quoi. C'est pas de la magie, donc je sais pas quoi te dire. Juste que on a vécu les choses en même temps et au même âge, et que on a toujours été forcément ensemble. En plus, nous, la maison était petite, donc si tu veux, on avait le même lit quoi, enfin le même lit, la même chambre tout du moins, et du coup ouais, je... Je sais pas quoi te dire. C'est plus qu'un frère, parce que t'es plus proche qu'avec une fratrie normale, je pense en tout cas. Mais il n'empêche que c'est pas non plus. Je fais pas de la télépathie avec mon frère et heureusement. Et on a une personnalité qui est vraiment très très différente et vraiment bien opposée quoi. Donc ouais. Je sais pas quoi te dire en fait, c'est rigolo, sauf je sais pas si ma réponse elle te convient ou pas. On s'entend bien, on est très très proche, mais je peux vivre sans mon frère et il peut vivre sans moi. Mais il n'empêche que mais il n'empêche que des fois ouais, je fais une pizza, il en fait une, et puis je voilà. Et qu'on a des enfants qui se ressemblent finalement, alors pas point de vue caractère, mais physiquement, forcément comme nous deux on se ressemble, si tu veux, mon frère il a un fils qui a, alors je vais dire une bêtise peut-être, mais c'est pas grave, hein. J'ai pas les dates, c'est pas mon truc, mais je crois qu'il a 16 ans, un truc comme ça, 15 ou 16 ans, et en fait, quoi tu veux vivre sur moi, mais non mais n'importe quoi, et du coup il est adorable, et mon fils il a 5 ans et demi, et des fois ils ont les mêmes mimiques. Ils n'ont pas vécu ensemble, hein, mais ils ont la même bouille, ils ont les mêmes mimiques de, et du coup, bah, ils sont de la même famille, hein, on a le même sang, et avec mon frère, forcément, mais comme on se ressemble déjà beaucoup, forcément, nos enfants, ils vont se ressembler déjà peut-être un peu plus que d'autres, finalement, et c'est vraiment flagrant, quoi, sur les photos, sur quand ils sont petits, sur les photos ou quoi. Après, en grandissant, ils vont se différencier, mais en tout cas, petit, une photo de mon neveu quand il avait l'âge de mon fils. Selon comment elle est prise, tu doutes, hein, tu sais pas lequel c'est. Vraiment. Il va avoir 17 ans. Il venait d'avoir 17 ans. Il était beau comme un enfant. Mais après, si un jour, si vous voulez, si ça vous intéresse, je vais vous montrer une photo sur le live. Sur le live de mon frère et moi quand on était petit. Mais vraiment jeune. Et vous allez voir la difficulté que vous auriez eu à nous reconnaître en fait, tout simplement. Je vous le mettrai sur le Discord, je verrai. Mais ouais, c'est ça peut pour ceux qui, enfin c'est quand même. J'avoue qu'on se ressemble vraiment vraiment bien. Petit, on se ressemblait vraiment bien. Et en fait, la seule façon que les gens avaient de nous différencier quand on était petit. Eh, merci pour le raid. Waouh, merci Pimouki. Merci à toi, bienvenue. Bienvenue à toi, merci. Bienvenue les gars, bienvenue les raiders. Bienvenue chez les galériens en tout cas. Merci pour le raid Pimouki, puis bienvenue chez les galériens. Et merci pour le follow Pimouki, merci à toi. Merci bien chat. Waouh, quelle chance. Ouais, je comprends pas. Les follow, ils ont du mal aujourd'hui, je comprends pas. Ça bug un peu, je crois, mais c'est le plaisir est partagé, tout le plaisir est pour moi en tout cas. Et du coup, on se fait un petit peu d'Animal Crossing non informel entre midi et 1h. Donc je vais bientôt finir le live, puisqu'il faut malheureusement que j'aille travailler. Et définitivement, je crois que le bot est cassé, ouais. Et salut ma princesse, comment tu vas? Elle est très bonne ta quiche, ma chouchounette. Je me suis régalé. Je vous montrerai ça, Sonia, je vous montrerai ça, vraiment, je vous le montrerai, vous inquiétez pas. Merci et bienvenue à tous, en tout cas. Je vous montrerai une photo quand on était petit avec mon frère, vous allez voir, c'est... ça vous bluffera, en fait.
Mais du coup, non, je me suis tapé sur la main ce matin et puis Lionel a pas eu mal. Hein. Je vous rassure, les gars, ça va bien se passer. Ok, allez, on se fait ça. On va continuer. Et donc, du coup, on a dit que là, on ferait la fontaine. Alors, fais voir un petit peu. On va enlever avec la pelle la fleur qu'il y a ici. Et puis, on va se mettre la fontaine et puis on se fera effectivement une rampe juste en face. Juste en face de là. Est-ce qu'on peut y remettre de la terre à partir de là? Je crois pas, je pense qu'il faut descendre. Ouais, je pense qu'il faut descendre. Donc on va déjà se mettre comme ça. Et on finira là-dessus pour aujourd'hui en tout cas. On va se mettre là. Voilà. Hop. Est-ce que je peux me mettre comme ça? Ouais, on peut se mettre comme ça. Oups, un tout petit peu trop loin. Voilà. Eh, hey, salut Bernab, j'avais pas vu que t'étais là. Bienvenue, bienvenue à tous en tout cas. Merci d'être là, les gars. Alors. Tididididid, est-ce que j'ai vu tout le monde? Il me semble que j'ai vu tout le monde. Eh bien, merci encore pour le raid. Allez hop. Et merci pour le follow surtout. On est à 160, il va falloir qu'on fasse ça, un de ces quatre hein, quand même. est-ce que ça passe ou est-ce qu'il faut que je refasse en bas? Non, alors ça m'arrange pas ce que tu viens de faire Loïc. Voilà, écoutez, pour là je trouve qu'on est bien. On fera le pont juste en face en fait. Et il va falloir qu'on élargisse ici parce que sinon on sera pas axé. Et vous savez que si on est mal axé, ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout. Ouais, du coup ce sera mieux, ce sera quand même mieux de faire ça. On va se quitter là, je vais partir au mange-mange. Et puis surtout je vais continuer, je vais retourner travailler. On se retrouve dès ce soir 20h sur du Zelda Skyward Sword sur Wii. Et écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous remercie pour les derniers follow. Je vous remercie pour tout les amis. Puis on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. C'est-à-dire ce soir 20h. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite de passer une très très bonne après-midi. Et puis bah, écoutez, c'est la dernière ligne droite pour ceux qui travaillent. On sera en week-end, en long week-end ce soir. Je vous embrasse. Je vous dis encore une bonne journée, un gros bisou à tous et on se retrouve très très vite. Allez, à ciao les amis, merci pour le raid, merci les derniers follow. Allez, à ciao, bye bye, merci, bye. Ok. Ouais.